Bonjour, j'ai trouvé le débat très intéressant, peut-être justement pour rebondir sur cet aspect d'interculturalité. Alors je vous présente, je suis Adèle Liam, docteur en chercheur en études politiques et photographe par ailleurs. Et justement, j'ai pas mal réfléchi sur ces questions dès qu'il s'agit de l'autre, en fait, de l'altérité. Et de l'altérité dans un espace commun, c'est-à-dire à l'intérieur de la cité, et toutes les mécaniques de perception de l'autre qui n'est pas tout à fait identique et qui n'est pas le même, mais un pareil, une espèce de autre que soi, un moi autre que moi, en fait. Et donc, quand on est dans la photo, la question que je voulais poser, justement, c'est peut-être qu'il y a une piste à chercher par rapport à la visibilité, c'est-à-dire dans le domaine culturel, c'est-à-dire la présence, non seulement par des phénomènes comme Madame vient de parler, qui est aussi une partie du vécu, mais qui n'est pas tout le vécu, comme vous disiez aussi, on ne devrait pas non plus céder à un angélisme entier ou à une diabolisation, car justement les questions humaines sont beaucoup plus complexes. Et quel meilleur moyen que celui de la culture, celui de l'image, des textes, de la poésie, de l'histoire aussi, pour rentrer dans ce type de complexité, pour prendre la mesure de l'humain. Donc la question, c'était vraiment ça. Entre parenthèses, je dédie une exposition bientôt. Justement.